Bonjour Frère Maxime, comment nous sommes? C'est JFL Cuisine Créole, Jean Fédon Ndi, votre chef à la maison qui est entre la canou. Je dis nous merci pour confiance, nous merci pour fidélité nous. Et merci parce que nous décidons de suivre moi. Je dis à la m'a préparé pour nous un pika pouyo. Et pour les gens là déjà, moi qui suis la ville, c'est bien important pour nous pas chauder. Pour nous pas laver avec de l'eau chaude. Et moi coupe toute poitrine, tout en petits morceaux, ok? Gars, on commence. Moi mettez un quart de tasse de vinaigre blanc. Moi mettez demi-tasse de citron. Et puis là, moi mettez deux belles cuillères de sel, ok? Deux belles cuillères de sel. Et qu'on y a là, épices, moi mettez un épice haïtien là-dedans. Ça veut dire là, moi gagne oignon, moi gagne l'ail, moi gagne poireau, moi gagne thym et l'huile et puis moi te mixe. C'est ça qui épice haïtien. Moi mettez deux belles cuillères. Qu'on y a là, moi mettez un petit piment haïtien, un petit piment bouc là. Mais cette fois-ci, je quitte quelques petits graines là-dedans. Regarde. Mes petits graines là. Ça veut dire je quitte un petit grain là-dedans pour le cabane un petit piqué, OK? Moi mettre là-dedans. Et qu'on a là, moi mettre l'huile là-dedans. La question de l'huile là, on pas besoin de dire nous combien et puis nous pas dire nous tal. Moi mettre l'huile. Jusqu'à maintenant, même ça toujours, il pas assez. On va mettre un petit l'huile encore. Et voilà. Ça c'est correct ça. Tout nous va le comprendre. Qu'on a là, moi brasser, moi rentrer tout assaisonnement là-dedans. C'est parfait ça. Qu'on a là, moi qui est en train de payer poule là. Oh, me dit poivre. Moi mettez poivre. Qu'on a une fois que je mettez poivre là-dedans, qu'on a là moi brasser, moi rentrer poivre là-dedans. Une fois que nous est bien assaisonné comme ça, moi bien rentré tout, moi mettez beaucoup de vinaigre, mettez beaucoup d'huile, moi mettez beaucoup de sel, beaucoup d'épices. Pour qui ça fait me faire ça? Parce que lorsque vous pral mettez pour la tremper, du supposé faire minimum 3 heures de temps. Ça veut dire vinaigre là qui là dans là, il pral faire une sorte de cuisson. Cuisson ça, c'est lui même notre une cuisson de vieillissement. Même gens avec leur pour poisson ou dire ma fond poisson séché son sorte de cuisson lié aussi. OK? Qu'on a la moi mettre pour le tremper pour 3 heures de temps. Après ça moi le retirer, m'a décanter dans liquide salia pour me retirer et puis qu'on a pour mal passer dans farine. Qu'on a la bonne mettre dans frigidaire pendant 3 heures de temps ou bien à l'air ambiant. Pendant que pour la à tremper, moi j'ai venir préparer farine que moi va mettre là-dedans. OK? La farine moi pas le passer pour là, pas oublier pour là, moi j'ai mettre ma conne bon assaisonnement qui va rentrer en dedans et puis mettre tout avec excédent. Donc farine là, regarde, moi juste mettre un petit sel là-dedans. Moi juste mettre un petit poivre comme assaisonnement. Là moi simplement mettre sel là-dedans et puis avec un petit poivre et puis d'attet qu'on a après tant 3 heures de temps fini couler. Après ça vous mettez nous. OK? Il y a chaque une heure de temps pour venir pour virer poulet là. Pour changer au côté. Qu'on a là, on va arriver sur dernier tourné, on va tourner pour là, OK? Là, nous garder pour là pour nous, on voit vient changer couleur. Il vient ça c'est pas rouge encore. Ouais, ça veut dire c'est ça que les une sorte de cuisson. Qu'on a là, on va le troisième viré qui a dernier viré. On veut dire là tout épice va rentrer dedans là. Bien entré. Là après ça on va décanter. Décanter ça veut dire retirer la sauce là. Comprendre? Retirer la marinade là. Ça veut dire là, viande manger ta mûri. Après ça, ouais, ça sent bon. Là, après ça, tourner là, on va commencer à retirer et puis mettre dans la farine. Quand on vient là après 3 heures de temps, maintenant on a gardé pour là, nous, j'en ai vu, il est là, c'est comme si son bagage qui déjà. Quasiment bien mariné là, OK? Quand là, m'a peine retirer directement, m'a déposer dans farine là, OK? M'a fait tout d'un coup, m'a fait 3 morceaux, 4 morceaux qui rentrent dans friteuse. La main là, m'a bien passer la farine là, c'est très important pour nous bien passer.
nan li bien absorbe farine mwen, mwen depose l de kote la. Kon a men friteuse la la, kon a mgen l'huile mwen la dan la, men 4 morceaux mgen tan fin bien passe la farine nan. Le nan fè friture, c'est très très important pour nous contrôler chaleur là. C'est ça qui c'est la base. Là là mettez friteuse là comme genre à 1/4. Après dit pas même toucher demi, OK? Mettez plus un petit peu plus loin qu'un quart qu'on a la déposer là-dedans. Pas oublier pour la pas cuire du tout, simplement mûrir de mûrir avec ça nous t'a relé et vinaigre là. On a mis 3 morceaux là-dedans. Les poils continuent à cuire là. On va mettre trop pour le trop charger. Tranquillement. Et puis de temps en temps, on va venir. Et puis on va le montrer nous. Ok? Regarde. C'est vraiment bien, bien coloré. C'est très, très beau. Mais malgré ça, c'est pas encore cuit. Hein? Regarde. On va mettre un pile volume là-dedans. Ça fait presque 5 minutes là, la grille là, ok? Mon quitter le continuer, c'est très important là, regarde. Ça continue à cuire toujours et puis regarde, on laisse aller. À un moment donné, quand ça va être prêt, nous voyons toute bulle ça, on n'est pas bouillé bulle encore. Alors, on dit là, c'est de l'eau qui a dégagé là-dedans là. À nous t'arrêter sans poudre là, comme sortir là, ok? À nous suivre toujours. Qu'on a là, ça fait presque 10 minutes depuis la grille là, ok? Qu'on a assez prêt parce que nous, vraiment, qu'elle va faire gros boussol là encore. Et puis pas de bruit à cap fait encore. Regarde. Je vais lever là. Je vais mettre le bol là. Je vais continuer à mettre d'autres. Regarde. C'est parfait ça là. C'est vraiment long après là. C'est long, vraiment long là. C'est quasiment 12 à 15 minutes là. Ok. Qu'on a là, je vais finir toute ratio. Qu'on a nos petits gens chauds. Et puis qu'on a le venir avec, je vais le couper pour monter nous. Est-ce qu'elle est cuite ou pas, ok? Je vais venir avec le talé. Maintenant, là, qu'on est là, c'est fini. C'est piqué pour nous. C'est chaud. Regarde ça. Tout ça, c'est bien fait. Regarde. Ça, c'est un joli. Je n'ai pas besoin de couper pour me faire nouer. Je prends quelques gros morceaux qui prennent plus de temps. Là, nous prenons pilon ça. Ça prend plus de temps. Regarde. C'est parfait, ça. C'est excellent. Regarde. C'est bien cuit. Puis c'est bon aussi. Elle dit, moi, je vais manger pour vous. Je vais enlever pour vous. C'est bon. Le sel est là-dedans. Tout l'assaisonnement est là. C'est vraiment parfait. Ok? Qu'on a bon point, on peut go l'autre morceau encore. Regarde, dit même. C'est parfait. Regarde. Chair vraiment blanche. Donc, ça veut dire que c'est prêt là. Mais ça prend du temps pour cuire. Lorsque nous mettons un batch dans le four, tout autant la pète et la bouée montée, ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans encore. Et puis, tout sous besoin certain qu'elle est bien cuite. Qu'on aurait nous à mettre une dehors pour prendre un petit couteau, une petite incision pour essayer de blanc. Ok? Si vient la blanche, ça veut dire c'est prêt. Mais et ça, qui est le pika pour yoa? A vrai dire, moi-même, je fais un autre style, moi-même qui est le plus trempé, puis longtemps, je fais bien mariner, aller longtemps là. C'est très très bon. Si nous aimons, nous allons partager la vidéo à moi, puis vous pouvez mettre un petit like pour moi, ok? Moi, je dis merci, hein? C'était JFL Cuisine Créole, Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui est entré à la canne. Moi, je dis merci. Au revoir.